sommes capoeiristes et nous faisons partie du groupe Avada Capoeira Isère. Notre professeur de Capoeira Bananeira nous a proposé un échange culturel avec des capoeiristes suédois. Le but de ce projet, c'est de pouvoir ensuite ramener les Suédois et les Brésiliens à Grenoble en France pour pouvoir faire les Jeux français et inaugurer les 50 ans des Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Ce voyage il se déroulera pendant les périodes des vacances scolaires de Toussaint. Nous faisons un projet Cap Suède, qui est la suite du projet Batu Capoeira, qui a été le but d'envoyer 25 jeunes au Brésil. Cette fois-ci, nous serons 10 à aller avec 3 accompagnateurs en Suède. On va partir en Suède avec un projet interculturel pour faire des échanges avec la Suède, le Brésil et la France. Le but de cette rencontre est de partager notre sport, d'apprendre des langues différentes, portugais, anglais et suédois, de découvrir un autre mode de vie, d'apprendre à vivre en communauté. Et nous allons là-bas pour faire du sport, donc la capoeira. Et pour progresser aussi, parce qu'après il y aura les championnats de France. Pour financer ce projet, nous avons rempli un dossier Erasmus qui nous permettrait de sponsoriser une partie du projet. Parallèlement, nous menons des actions d'autofinancement, tenir des buvettes, on fait des tombolas. Et bien sûr, tout autre financement est la bienvenue. Olá, olá a todos. Aqui quem fala é o instrutor bananeiro da escola Abadá Capoeira. Nós estamos aqui com mais novo projeto. Dessa vez estamos partindo na Suécia com 10 adolescentes e dois acompanhadores. Dessa vez estamos indo para mais encontro de pessoas, encontro de seres humanos, para poder trabalhar pouco, divulgar pouco a nossa cultura da capoeira e aprender também a cultura do povo sueco. Esse projeto é uma continuidade do projeto Batuque Capoeira, que nós tivemos no Brasil no ano passado, 2016, agosto de 2016, com 25 adolescentes, que fazia parte do projeto dos Jogos Olímpicos. E o porquê estar indo na Suécia? Simplesmente porque a Suécia foram dos países que também organizaram os Jogos Olímpicos, e está ligado com o nosso projeto do ano passado. E esse ano, no ano de 2018, a cidade de Grenoble vai estar comemorando 50 anos que organizou os Jogos Olímpicos de Inverno. Então a gente vai fazer o casamento dessas três cidades, desses três países, e ligado nesse projeto de reencontro. O nome do nosso projeto agora se chama Cap Sueda. O Cap, nós descobrimos que aqui tem vários significados e também ser as iniciais da palavra capoeira. E o capa entra dentro da nossa ideia, porque capa tem vários significados. Uma delas é ser capaz de encontrar o outro, capaz de aprender, capaz de ensinar.